Vous avez un petit gabarit et vous avez une femme. Et c'est toute la modernité de l'UFC, la façon dont les choses évoluent très très vite. Je me rappelle quand l'événement a commencé à être médiatisé au niveau international, c'était des costauds, les colosses, qui venaient chacun de leur art martial différent. Et aujourd'hui, eh bien, les femmes sont admises à l'UFC et elles sont impressionnantes. Miesha Tate et puis sa grande rivale Ronda Rousey, l'américaine qui vient du judo. Et bien sûr, les poids légers aussi. Ça a été aussi une innovation de faire arriver des poids légers plus techniques, plus rapides dans l'UFC. Donc ce monde des arts martiaux qu'on appelle libre, du combat libre, évolue très vite comme un grand sport professionnel. Regardez cette belle jeune femme. Eh ben voilà, c'est une combattante, Miesha Tate. Elle monte sur le ring, elle y va franchement. Surnommée Cupcake. Alors c'est Vincent Parisi, qui a le plaisir de nous la présenter. Vincent Parisi, on le connaît, hein, présentateur aujourd'hui renommé pour la télévision. Il aime présenter les événements d'arts martiaux, bien sûr. Lui-même a été champion du monde de Jujutsu. Il est le fils de son père aussi, champion... champion... Est-ce qu'il est champion olympique? Oui, il est champion olympique, bien sûr. Le voilà, José Aldo, Scarface. Avec sa ceinture de champion. Et José Aldo, 27 ans, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Et son palmarès, 24 combats, Emmanuel, 23 victoires, une défaite. C'est pas mal du tout parce que dans ce monde-là, pour enquiller les victoires comme ça de façon systématique, il faut être vraiment très fort. C'est difficile de contrôler la situation en MMA. Alors les sparring qui arrivent avec les gants, les PAO, pour un peu faire briller les champions. On va donner également le palmarès de Miesha Tate. 13 victoires, 5 défaites. Elle fait partie du top 10 du MMA féminin. Toutes catégories confondues. C'était un peu la numéro 1 il y a très peu de temps. Maintenant, elle est challengée, elle est contestée par la fameuse Ronda Rousey, qui est devenue aussi une star du cinéma, puisqu'elle a intégré la franchise Fast and Furious. Et d'ailleurs, bonne question, est-ce que la franchise Fast and Furious va continuer après la mort d'un de ses acteurs vedettes? A priori, oui. Et puis une autre aussi, une autre franchise de film d'action. Enfin, elle est partie, Ronda Rousey. Donc, ces athlètes magnifiques, qui sont des très grandes combattantes, sont aussi évidemment un trésor pour la télé, le cinéma, le spectacle, parce qu'elles sont très belles, elles sont impressionnantes. Et José Aldo, tous ces jeunes combattants, c'est très intéressant aussi de les voir dans le monde du MMA, parce qu'il n'y en a pas que pour les poids lourds, il faut aussi voir ces techniciens qui sont très très vifs, évidemment plus précis, plus rapides, qui ont une gamme technique plus étendue. Alors on va la voir, Miesha Tate, travail d'esquive, hop, saisi. Et José Aldo, il est surnommé Scarface, on a vu pourquoi, il a une large balafre au visage. Ouais, il l'a pas eu dans le ring. Hein, donc, pour ceux qui ne connaissent pas le MMA ou qui le jugent encore effectivement avec un petit peu de distance, et pourquoi pas d'ailleurs, parce qu'effectivement c'est un sport professionnel qui est dur. C'est aussi une très grande discipline martiale. Si on aime les arts martiaux, on est obligé de s'intéresser un peu à ce que démontrent ces combattants. On peut éventuellement contester la brutalité de l'expression, mais c'est un sport professionnel, comme la boxe, comme la boxe thaïlandaise. Et en tout cas, en termes d'inventivité, de qualité technique, d'évolution aussi très rapide, eh bien, le MMA est exemplaire et très passionnant, il faut le reconnaître. Ce qui est intéressant avec le MMA, c'est qu'on est sur des grandes logiques des arts martiaux. Les arts martiaux, le Budo de Jigoro Kano, le Karate-do de Gishin Funakoshi ont été créés après-guerre, ou en tout cas dans les périodes, au moment où justement la guerre allait se déclarer en 38. Jigoro Kano est mort en 38 en revenant
d'avoir tenté de défendre la tenue des Jeux Olympiques à Tokyo, à l'époque où, où le Japon partait vers le militarisme, etc. Donc effectivement, les arts martiaux de cette époque sont des arts martiaux qui tentent de transcender la violence par la qualité technique. Aujourd'hui, on est dans une autre époque, c'est intéressant, le MMA est aussi un symptôme. On veut revenir vers une forme plus dure de spectacle. On veut savoir qui est plus fort. Voilà, c'est à travers les arts martiaux, il y a des grandes questions qui se posent sur la nature humaine et sur notre comportement, sur la philosophie générale de la vie. Regardez cette belle athlète qui passe son étranglement. Il y a un beau travail technique. Attention, danger, elle est prise dans l'eau. Elle se retourne, elle enchaîne. Elle a la clé. C'est facile. Et voilà, on peut les applaudir. Misha, voilà, c'était leur première démonstration en France. Très très belle démonstration à ces deux stars du MMA. De Brian Caraway et Johan Fauveau, le champion de l'UFC, José Aldo. José Aldo qui est un, très grande combattante, un grand spécialiste du coup de genou sauté. Il a marqué des KO comme ça. Nous allons profiter de leur présence les pour leur poser quelques questions au public de et Bercy. Pour cela, je vais laisser le micro à mon binôme. Alors c'est toujours difficile hein, de faire une démonstration d'un sport aussi technique et aussi spectaculaire. Donc on peut les applaudir parce que c'est vraiment juste phénoménal qu'ils soient ici présents. Et c'est grâce à un de ces hommes qui est ici, André Vieira. Voilà, Dragon Bleu Venom. Donc j'ai quelqu'un qui va faire la traduction pour Misha. Mademoiselle Misha, à quel âge avez-vous commencé le MMA et quelle est votre spécialité? Misha, we would like to ask you at what age did you start with MMA and what are your specialties? I started wrestling when I was 15 in high school, and then at 19, in year 2006, I began MMA. En fait, elle a commencé premier avec la lutte quand elle avait 15 ans. Après, elle a fait son premier combat à l'âge de 19 ans en 2006. Alors moi, j'ai une question qui me trottine, c'est comment une aussi jolie fille... Beaucoup d'Américains commencent par la lutte pour arriver vers... les sports, est-elle venue combat libre à faire du MMA, est devenue combattante de UFC et un sport aussi spectaculaire parce que c'est juste magique. Well, excuse me, but we would like to know how it's possible that such a beautiful young lady like yourself, excuse me, has been able to start with MMA and became such a good MMA fighter. Well, I think that MMA is a sport that chose me. I didn't choose MMA. I have a competitive side to myself, and when I discovered that there was a sport so amazing as MMA, and this guy got me started with this whole thing, you know, I just released my my competitive side, and I felt like it was a good match. En fait, elle a un esprit vraiment compétitif. Et ce n'est pas elle qui a choisi le MMA, c'est le MMA qui a choisi elle-même. Et le gars-là, il a introduit elle dans le MMA et pour ça, elle a commencé, elle était tombée amoureuse avec le sport. Misha Tate, s'il vous plaît. Alors, je vais passer la main à André Vieira qui va s'occuper de José Aldo. Présent, José Aldo. Les questions ? José, par quel art martiaux ou sport de combat as-tu commencé? Minha arte marcial, sua primeira arte foi jiu-jitsu, né? Comecei no jiu-jitsu, mas a partir do momento que eu pensei em treinar a MMA, né? Ouais, começar a minha carreira, qu'il a bien commencé par boxe, le jiu-jitsu. Et c'est un tournoi de jiu-jitsu brésilien très haut niveau. Ma première discipline c'était le jiu-jitsu brésilien et ensuite il a choisi sa carrière de combattant de MMA. Il a commencé à développer un peu sa boxe, la boxe thaï, la boxe anglaise. On parle beaucoup du football au Brésil, mais il y a aussi beaucoup de Brésiliens qui pratiquent les arts martiaux. Avant un combat. Absolument. Et alors, le jiu-jitsu brésilien, c'est une aventure très particulière du Brésil. Et il fallait être là-bas il y a 30-40 ans, quand il y avait déjà les premières grandes académies. Parce que c'est plutôt la classe moyenne, le jiu-jitsu brésilien au Brésil, donc la classe moyenne naissante. Alors que la capoeira, c'est plus populaire, la lutte, c'est plus populaire. Et juste sous brésilien, il y avait des très grandes académies. C'est un peu dur, mais ça qu'il faut pour maintenir cette ceinture.
Et les gars s'entraînaient déjà tous les jours il y a 30 ans, 40 Michel ans. Tate, José Aldo, merci beaucoup pour ce grand star ici à Bercy. Champion de l'UFC, voilà, merci José Aldo. Et Misha Tate applaudit chaleureusement par le public du Palais Omnisports de Paris-Bercy.